Nouvelle vidéo pour vous montrer comment je peux expliquer des problèmes difficiles avec des fractions avec la méthode de Singapour. Donc normalement ça se voit en quatrième avec les variables et tout ça avec les fractions. Et là je vais vous montrer très simplement avec la méthode de Singapour comment ça marche. Et comme vous savez je propose des cours de maths à distance. Donc pour voir comment je travaille je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube en bio ou bien la vidéo épinglée en haut à droite sur TikTok dans laquelle je présente mes logiciels. Et voilà, donc là je vais vous montrer avec la méthode de Singapour très facilement. Donc là, c'est une maman, elle a des bonbons et elle distribue pour Halloween une certaine part de bonbons. Donc 2/5, elle les donne pour sa famille, 2/3 de ce qu'il reste à ses voisins et mange la moitié de ce qui reste. Elle en mange 5. Combien y en avait-il au départ? Donc en quatrième, c'est terrible pour les enfants. Et là, je vais vous montrer avec la méthode de Singapour. Donc là, c'est les bonbons du départ. Là, la famille, elle en prend 2/5. Donc, on va découper en 5. Donc là, on va en prendre 5. On va en prendre 2/5. D'accord? Ça, c'est la part pour la famille. Et après, 2/3 de ce qui reste à ses voisins. Donc là, on a les voisins. Et on va prendre 2/3. Voilà. Et là, elle mange la moitié de ce qui reste. Donc là, il ne reste plus que ça. Et elle mange la moitié. Voilà. Et là, on sait que ce qu'elle a mangé, c'était 5. Et bien, tout simplement, vous voyez que pour avoir le rectangle là, on va faire 5 fois 2, 10. Et on va faire 5 fois 5. 5 fois 10, 50. Donc au départ, il y avait 50 bonbons. Donc je vous demande de partager mon TikTok autour de vous pour me donner de la visibilité, pour pouvoir donner des cours de maths sur toute la France. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.